Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à cette euh, cette émission en fait. Euh, je sais même pas comment on appelle cette émission là. Ah ils ont mis juste à côté ici Alain, euh, à Alain Patrick en live juste là 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 voilà là euh, là, là 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 non là. Ça <laughs> c'est la petite blague du jour. Euh, très bien. Donc il y a pas mal de choses qu'on va voir mais j'aimerais qu'on puisse prier. Bonjour à toutes les personnes d'Instagram. Hein. Euh... Vraiment pas formalité que je diffuse sur Instagram. Hein, parce que j'ai 11 000 personnes sur Instagram. Et il n'y a que ça qui se connecte. C'est vraiment pas formalité. J'ai beaucoup plus de personnes ailleurs. Dans d'autres réseaux sociaux. Ils sont nombreux comme ça. Nombreux, nombreux. Nombreux. Donc ne me jugez pas par le Instagram là. Les instagrammeurs, Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Hein, mais là-bas sur YouTube, ils sont. Mounene, mounene. Beaucoup, beaucoup. Hein, comment on dit Mingi, mingi. Mingi, mingi. Que le Seigneur vous bénisse, on va prier quelques instants, ok Et on va entamer euh, juste après parce que, euh, voilà, on a pas mal de choses à voir. Il faut qu'on arrive à les terminer le plus rapidement possible. Seigneur, je te bénis pour ce moment. Alléluia. Merci Jésus. Priez chez vous, priez, 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 priez. priez. Priez chez vous, priez maintenant, priez, 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 priez. Ribazo Potokozamande Kasi Katababa Babase. Lade Bazi Katozamande Kapa. Liga Mama 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 Maze. Itobosaka Mama 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 Maze. Hallelujah. Ribasa Katabazo. Mandara Baze. Seigneur, merci pour ces moments. Seigneur, merci pour ces temps. Seigneur, ce sont des moments que tu as suscités. Il n'y a rien qui arrive, Seigneur, sur la terre ou dans nos vies sans que tu n'aies permis. Seigneur, mais tu nous donnes aussi la responsabilité, ô oh Dieu, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu as dit, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Tu as dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi, Seigneur, je déclare ce matin que rien ne peut nous nuire, Seigneur. C'est pourquoi je déclare ce matin que même si le monde a déclaré une pandémie, Seigneur, nous nous déclarons la santé divine, nous déclarons que cette pandémie disparaît au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous croyons en ta parole. Tu as dit dans Marc 11, 23, si quelqu'un dit à cette montagne, Alléluia, ôte-toi de l'air, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Seigneur, nous croyons que ta parole dit la vérité. C'est pourquoi nous sommes, Seigneur, tous connectés pour écouter ta parole de foi. Ta parole, Seigneur, qui édifie notre foi. Ta parole qui fortifie notre esprit, oh Dieu. Ta parole qui fait du bien à notre esprit, Seigneur, pendant ces temps graves. Pendant ces temps où l'humanité stresse. Pendant ces temps où les hommes marchent dans la peur, marchent dans l'angoisse. Pendant que, Seigneur, l'esprit de peur, Seigneur, attrape pas mal de personnes. Et je déclare au nom de Jésus que nous bâtissons, hallelujah, nos vies sur ta parole, oh Dieu. Seigneur, ce matin, viens encore nous remplir. Seigneur, ce matin, viens encore nous inonder. Seigneur, ce matin, viens encore par ta parole faire couler des fleuves d'eau vive, Seigneur, dans notre esprit, dans notre âme, Seigneur, et revitaliser notre corps, Seigneur. Ce matin, viens protéger notre corps, oh Dieu. Ce matin, nous déclarons que la vie Zoé qui est en nous, Alléluia. Seigneur, pulvérise une quelconque maladie, pulvérise une quelconque bactérie, un quelconque virus. Seigneur, ce matin, nous venons encore déclarer ta parole et nous disons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce matin, nous venons encore déclarer ta parole. La Bible déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Tel il est, tel nous sommes. C'est pourquoi je te bénis, ô oh Dieu, pour la ressemblance, pour le même état dans lequel nous sommes avec Christ, ô oh Dieu. Je déclare au nom de Jésus que comme au ciel, il n'y a pas de coronavirus dans notre environnement, il n'y en a pas aussi au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que la présence, la puissance de Dieu pulvérise la puissance d'un quelconque virus et d'une quelconque maladie dans notre entourage. Alléluia, Seigneur merci La protection autour de nous La protection autour des internautes qui me regardent La protection autour de mes frères et mes soeurs La protection divine autour de ma famille La protection divine autour de mes enfants La protection divine autour de mes collaborateurs La protection divine autour des pasteurs de ce ministère La protection divine autour des brebis de ce ministère Seigneur je déclare au oh nom puissant Hadikasso, Kabage, Zapikaze, de Jésus Christ. Je déclare au nom de Jésus la disparition de tous symptômes dans les corps au nom de Jésus. Et je déclare la guérison divine au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Je déclare l'Igazo Kotazi de kezakaba. Je déclare au nom de Jésus. Que la vie de Dieu se manifeste pleinement maintenant. Éternel, merci pour cet enseignement. Seigneur, je prie que tu ouvres l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Comme tu l'as fait avec les disciples d'Emmaüs, je prie, Seigneur, que pendant cette heure où nous partageons ta parole, où nous parlons de ta parole, tu ouvres les intelligences afin qu'ils comprennent les Écritures. Ô oh Dieu, je déclare au nom de Jésus que le fautiseau se manifeste, que l'illumination des cœurs se fasse, Seigneur, ce matin. Éternel, je prie au nom de Jésus. Que les ténèbres de l'ignorance disparaissent dans les vies au nom de Jésus. Que la lumière apparaisse. Éternel des armées, Seigneur Jésus, tu es la vérité. La Bible déclare, les peuples qui étaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Je déclare au nom de Jésus que là où il y a les ténèbres de l'ignorance, une grande lumière jaillit maintenant. Là où il y a les ténèbres, je déclare au nom de Jésus que la lumière jaillit. Éternel, je déclare que le diable perd son pouvoir dans les domaines de notre vie où nous sommes ignorants. Je déclare au nom de Jésus que le diable est repoussé de nos vies. Au nom puissant de Jésus, tu as dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. C'est pourquoi ce matin, je déclare que la vérité rend libre encore. C'est pourquoi ce matin, je déclare que la vérité nous affranchit. C'est pourquoi ce matin, je déclare que nous allons connaître la vérité. La la vérité va nous libérer ce matin je déclare que nous finissons ce live libre nous finissons ce live éclairé nous finissons ce live boosté nous finissons ce live revigoré nous finissons ce live rempli de foi alléluia seigneur qu'un esprit de foi se manifeste pleinement pendant ce live, oh Dieu, Seigneur, que le plus petit dans la foi sente sa foi être révigoré, être fortifié, oh Dieu. Seigneur, que, que le moyen sente sa foi être fortifié. Que celui qui a une grande foi sente sa foi fortifiée. Je déclare maintenant que pendant cette émission, un esprit puissant de foi se manifeste, oh Dieu. Père que toutes les personnes qui se connectent et qui vont se connecter soient touchées, contaminées par cet esprit de foi. Je prends autorité au nom puissant de Jésus sur les tentatives du diable de nous distraire pendant cette émission. Je prends autorité au nom puissant de Jésus sur les touristes qui viennent pour nous distraire dans les commentaires au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'il se décourage et qu'il s'en aille, qu'il nous laisse écouter la parole de vie. Au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Seigneur, ce, ce matin... Nous recevons la foi pour pro proclamer la disparition totale du COVID-19 au nom de Jésus de la planète Terre. Nous proclamons la disparition totale de ce virus au nom de Jésus. La disparition totale. Et nous déclarons tous les malades guéris au nom de Jésus. Que les hôpitaux soient libérés au nom de Jésus. Je libère les anges dans tous les hôpitaux de la planète, oh Dieu. Pour pouvoir, Seigneur, toucher, amener la guérison, l'onction de guérison. Dans les hôpitaux, oh Dieu, éternel des armées, qu'il y ait de plus en plus de guérisons et de moins en moins de morts. Je déclare au nom de Jésus que l'esprit de mort est repoussé au nom puissant de Jésus. J'asperge le sang de Jésus dans toutes les rues de la planète. J'asperge le sang de Jésus dans toutes les maisons de la planète Terre. J'asperge le sang de Jésus. Dans tous les hôpitaux, au nom puissant de Jésus, que le sang de l'agneau coule à flot, que le sang de l'agneau qui parle plus que celui d'Abel coule à flot. L'agébazi palagorana diabazo, kotamandelege, ligazi kalarandengem paladerebekazi, shinananamangoza kilarabazon tanamangataba, ingoromomomomoseke teremen derebe saïa, éternel des armées, je déclare, au nom puissant de Jésus, que là où la mort menace, la vie fasse son entrée au nom de Jésus. Éternel, nous te prions pour le personnel soignant. Je déclare la protection sur leur vie au nom de Jésus. Éternel, je déclare ta sagesse et ton intelligence. Éternel, je déclare, je prie aussi pour les scientifiques qui cherchent une solution contre ce virus. Je déclare au nom de Jésus la cessation de toute tergiversation inutile. Dans le nom de Jésus, je déclare. Seigneur, des prises de décisions sages et intelligentes pour le salut des nations, pour le salut des peuples, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, merci pour la sagesse et l'intelligence que tu donnes aux autorités, que tu donnes au gouvernement, que tu donnes au président. Je déclare au nom de Jésus que cette planète n'appartient pas au diable. La Bible déclare les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux hommes. C'est pourquoi ce matin, je déclare que la planète Terre appartient aux hommes. Et la planète Terre, c'est pour le bien des hommes. Je déclare au nom puissant de Jésus la paix. Je déclare au nom de Jésus la vie. Je déclare au nom de Jésus que tous les plans de l'ennemi pour précipiter les temps échouent maintenant au nom puissant de Jésus. Éternel, que ta connaissance augmente pendant ces moments. Éternel, que ta présence augmente pendant ces moments. Éternel, que ta gloire éclate pendant ce moment. La Bible déclare, saint, 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 et l'éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire, Éternel, je confesse la manifestation de ta gloire sur toute la terre. Au nom de Jésus, parce que tu es trois fois saint, je déclare au nom de Jésus que toute la terre est remplie de ta gloire. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant la vie sur toute la planète au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Marégazi katosa mané kete bébé si. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Vous savez, j'aurais pu rester là pendant des heures et des heures à prier comme vous m'avez entendu prier. J'aurais pu le faire. Mais nous avons un enseignement à vous donner. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, dites quelque chose hein, au niveau du chat, faites bouger les choses. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Prefna, ACL Libreville, bonjour GS, bonjour Indra Céron, bonjour Johan, célissin. bonjour Yanaël, bonjour Silver, bonjour euh, Popot, c'est Bonjour Andrik, bonjour Joseph, euh, bonjour J Jélie, bonjour Marie-Hélène, bonjour euh, euh, pa -pa Pasteur Nina, bonjour... Euh, bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Euh, bonjour Julia, bonjour Hélène, bonjour Laurie, bonjour Sabrina Samed, ouais, bonjour Sabrina, oui. Euh, bonjour, euh, bonjour, 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 bonjour à tous, bonjour Oli, bonjour, je vois Camille, je vois Constance, je vois Évangéliste, Maxi, Maximilien Bouteiller. Euh, un, un, je vois Kevin Jabas, je vois oh, Mélanie Cobo, à, Sœur, à montpellier euh, je vois Isabelle Moroy, je vois euh, Laurent Fab, je vois James Mogoubi, je vois... Euh, bonjour vraiment à tous, ok Très bien. On va commencer donc l'enseignement. Glory be. Glory be to God. Euh, le titre de mon message aujourd'hui, ce sont les actions pour muscler sa foi. Les actions pour muscler sa foi. Les actions pour muscler... Sa foi, gloire à Dieu. Et j'espère que euh, ces études vous font du bien. Je vous reprécie je vous le dis, faites-le nous savoir. C'est important euh, qu'on puisse le savoir, ça nous encourage, ça nous motive et ça nous donne l'énergie nécessaire euh, de continuer. Amen. J'espère vraiment que ça vous fait du bien, donc n'hésitez vraiment pas. Vous avez remarqué qu'au fur et à mesure qu'on avance, on améliore ce live, tout pour votre confort. Ok Est-ce que vous me suivez Très bien. Bon, on va voir euh, les actions pour muscler sa foi. Euh, cet enseignement fait référence un peu aux actes correspondants pour pouvoir manifester notre foi. C'est important que vous compreniez que la foi, ce n'est pas seulement croire. Croire, c'est la réponse de notre esprit à la parole de Dieu. Maintenant, quand hein, la parole de Dieu se mélange avec la réponse de notre esprit, avec notre croyance, à un moment donné, la foi naît. Quand la foi naît, il faut maintenant passer euh, en action. Est-ce que vous me suivez? Je prends souvent un exemple euh, très simple pour que les gens comprennent la différence qu'il y a entre la foi et le simple fait de croire. Il y a des moments où, lorsque nous croyons systématiquement, la foi naît. OK? Mais il y a des moments où on peut croire et la foi euh, euh, n'est forcément pas là. C'est important que vous puissiez comprendre ça. Je ne suis pas en train de dire que, vous ne, que croire n'est pas important dans, dans le processus pour avoir la foi et pour manifester la foi. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas croire, ce n'est pas ça. Si vous ne croyez pas en la parole de Dieu, vous n'aurez jamais la foi. Okay? Ce que je suis en train de dire, c'est que croire, euh, euh, c'est quelque chose, c'est un processus qui va amener la foi à à se manifester. La foi peut se manifester instantanément dès qu'on a cru, mais la foi peut aussi prendre du temps en fait euh, à se manifester, même si on a cru. C'est l'une des raisons pour lesquelles parfois vous pouvez prier pour certaines personnes. Elles te disent je crois, je crois, je crois. Plus elles disent je crois, plus elles s'enfoncent dans leur incrédulité, tout simplement parce que euh, il y a des choses qu'elles doivent faire pour que la foi puisse naître, notamment les actes correspondants. Et je vais vous prendre un exemple très simple. Euh, vous arrivez. À l'église et pendant qu'on est là à l'église, euh, je suis en train de prêcher et quelqu'un rentre et la personne se précipite sur l'estrade et elle tombe sur l'estrade. Bon, quelques spirituels vont dire oh la puissance de Dieu est tombée sur elle donc là elle est sous l'onction. Ok, quelques personnes qui ont vraiment du discernement comme moi, alléluia, on va remarquer que c'est pas normal la façon dont elle est tombée. Et là on va regarder, on va faire venir, on va demander est-ce qu'il y a un médecin dans la salle et un médecin va venir. Il va regarder et il va remarquer que cette personne là ne s'est pas alimentée depuis plusieurs jours. Et le médecin dira si on lui donne à manger, elle va reprendre des forces et elle ira mieux. Et on demande à la personne vous avez mangé depuis combien de temps et quand, depuis combien de temps vous n'avez pas mangé plutôt. Et la personne répond elle dit non ça fait cinq jours que je n'ai pas mangé ou ça fait une semaine que je n'ai pas mangé. Et le médecin dit est-ce que vous croyez que si on vous donne à manger maintenant vous allez reprendre vos forces. Et la personne dit oui je le crois. Donc, on envoie rapidement quelqu'un acheter un kebab, ou on envoie à la personne acheter un McDonald's, ou on envoie à la personne acheter un, euh, un, un, un Burger King, ou euh, je ne sais pas, ça c'est de la malbouffe. Ok, on demande à, à une sœur de pouvoir faire de la bonne bouffe. On amène la nourriture et la personne passe son temps à confesser à dire je crois que si je mange, je vais être bien. Je crois que si je mange, je vais être bien. On lui dit mais mange. Elle dit non, je crois que si je mange, je vais être bien. Je crois que si je mange, je vais être bien. On lui dit mais mange. Elle dit je crois que si je mange, je vais être bien. Je crois que si je mange et puis petit à petit elle perd des forces, elle perd des forces, elle perd des forces et puis boum, elle tombe et le médecin remarque qu'elle est morte. La personne pourtant elle croyait, elle disait qu'elle croyait, mais parce qu'elle n'a pas associé l'action à la croyance, elle est morte. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que cet exemple est clair? Faites-le-moi savoir si cet exemple est clair. Donc, dans beaucoup de cas, il faut associer des actions à notre à notre foi. Parfois, il suffit juste de croire, ok? Et la foi naît. Parfois, euh, il suffit de croire et déclarer. Parfois, l'acte correspondant à notre foi, c'est le fait de parler, c'est le fait de déclarer, ok? Euh, rappelez-vous ce qu'on a dit au sujet de la déclaration. La déclaration est vraiment puissante. Elle est vraiment puissante. On a vu euh, au tout début de l'étude que on déclarait la parole de Dieu pour que la foi puisse naître, OK Et quand la foi est née, on redéclarait pour libérer maintenant la foi. OK Et là, je suis en train de vous dire que très souvent Déclarer, continuer à déclarer, appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient, euh, peut être l'acte correspondant qui va faire jaillir notre foi et qui amènera les choses à manifestation. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous me suivez. Parfois, donner des instructions, parler, c'est l'acte correspondant. Donc, on va étudier les actions qui accompagnent la foi. Pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, lorsqu'on parle des actions qui vont euh, amener la foi à se manifester, certaines personnes vont vous sortir des arguments complètement stupides. Vous savez, il y a parfois des gens qui viennent faire des réflexions dans les commentaires YouTube, et je vous dis, hein, et vous vous rendez compte que ces personnes-là n'étudient vraiment pas les Écritures. Elles ont entendu euh, une ou deux personnes parler de ça, et donc elles reviennent vers vous en en faisant des commentaires qui sont vraiment énervants et parfois quand vous voyez ces commentaires là vous êtes vraiment vous êtes vraiment euh, comment irrité au dedans de vous ce ne sont pas des personnes qui veulent savoir ce sont des personnes qui prétendent vous corriger et ces personnes vont vous dire ben euh, on ne peut pas demander D'associer des actes à notre foi. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi et non par les œuvres. Okay? On n'est plus dans l'ancienne alliance, donc ce ne sont plus les œuvres qui vont amener la manifestation de la puissance de Dieu, mais c'est plutôt la grâce. Vous comprenez rien du tout quand vous, quand vous parlez comme ça. Ce n'est pas la peine de pouvoir essayer de vous lancer dans des polémiques parce que vous êtes ignorant. Vous avez besoin de vous asseoir et on vous enseigne d'abord. Il y a une différence entre les œuvres de, de la loi. Et les œuvres de la foi, ok. Euh, la foi va fonctionner d'une certaine façon, et c'est important que vous puissiez comprendre comment la foi fonctionne à travers les Écritures. Toutes les personnes qui ont mis euh, euh, leur, leur foi en action euh, ont fait des choses pour que leur foi se manifeste, et c'est ça qu'on va voir. Et il y a des gens qui ont aussi fait des choses complètement stupides. Et jusqu'à présent, il y a des chrétiens qui font des choses complètement stupides qui ne comprennent pas ce principe d'acte correspondant à la foi, et on voit. Toutes sortes de choses. C'est la raison pour laquelle, euh, dans ma prédication tout à l'heure, euh, la première partie va être consacrée aux erreurs que nous faisons dans les actes correspondants. Okay? Euh, on va voir ça, je vais annoncer le plan tout à l'heure pour qu'on puisse vous l'afficher correctement. Mais j'aimerais avant que vous puissiez euh, noter Jacques chapitre 2, Jacques chapitre 2, dès le verset 14 et on va lire. Jacques chapitre 2, dès le verset 14 et on va lire. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dit, leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il Voilà. Euh, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi dans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Et là on voit là que la croyance ne sert pas, la, la croyance peut vraiment. Ne pas être la foi, parce que la Bible dit que les démons croient aussi, ok Et ils tremblent. Verset 20 Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile Regardez ce qu'il va dire, verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel Est-ce que vous vous rendez compte de l'exemple euh, d'Abraham On va voir tout à l'heure l'exemple d'Abraham. Tu vois que la foi agissait avec les œuvres, verset 22, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rabe, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ça, c'est vraiment très important. Hein? C'est très, très, très important de comprendre ça, hein, ce que je suis en train de vous dire là. Et, et Jacques va vraiment nous le dire correctement. Jacques va nous dire que la foi sans les œuvres, euh, elle est morte, tout comme le corps sans vie à l'intérieur, sans esprit à l'intérieur est mort. OK Est-ce que vous me suivez attentivement Donc, c'est important, c'est important de saisir ça et de comprendre ça. Gloire à Dieu. Euh, donc. <coughs> Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Faites-moi signe si vous êtes là. C'est trop silencieux, là. Hey! C'est trop silencieux, le chat. On y va, là. Montrez-moi. Il y a beaucoup d'exemples dans ce passage biblique-là hein, qui, euh, en fait, en vérité, je pouvais faire cet enseignement rien que basé sur les exemples euh, de ce passage biblique-là. Mais bon, on va voir ça. On va voir ça. On verra ça plus tard, peut-être demain, euh, si le Seigneur nous, nous, le, nous le permet. OK? Euh, on va voir ça ok Mais j'aimerais qu'on puisse se rappeler d’une chose. Je vous ai dit que la foi euh, le domaine de la foi, l'enseignement sur la foi peut être comparé en fait à quelqu’un qui développe des muscles okay? Et chacun des muscles, je vous l’ai dit hier n'a pas de, 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 le même rôle, n’a pas la même force. C'est important si vous n’avez pas suivi cet enseignement-là, c'est important que vous, ayez, vous alliez revoir le replay. C'est vraiment important. Il y a des replays que nous mettons à votre disposition pour ça. OK. Je vous ai parlé d'un schéma hier. Euh, et j'aimerais que vous puissiez le regarder maintenant. Et je vais essayer de le commenter pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai dit hier. Vous voyez, la foi est comme un muscle. Vous voyez ce schéma-là. Ça, ce que vous voyez-là, ça, c'est le corps de Jimmy. OK. <laughs> OK. Supposons que vous êtes maintenant dans le monde spirituel. Vous allez remarquer... Euh, par exemple, que euh, le, les muscles qui sont au niveau euh, des trapèzes euh, vont, par exemple, travailler la croissance de votre réseau, OK Par exemple, euh, le muscle au niveau du biceps, euh, non, est-ce que ça, c'est un biceps euh, C'est un, le truc là, les mabénous, c'est quoi euh, Donnez-moi le nom, s'il vous plaît, la régie. Les pecs, voilà. Vous allez remarquer que les pecs, euh, le, 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 pecs droits, pecto, le, le pectoral droit, c'est le succès. Pectoral gauche, la présence de Dieu. ok euh, Vous allez travailler euh, les abdos du haut, mariage, autorité, fertilité. Est-ce que vous avez remarqué là, que en bas, là, juste au-dessus du, du pubis, c'est la fertilité? Juste en haut, là, parce que... <laughs> Parce que le muscle qui est à ce niveau-là est très important pour euh, la fertilité, ok? <laughs> C'est extrêmement important, ok? Donc, euh, vous allez remarquer aussi le muscle qui travaille l'abondance, le muscle qui travaille la santé divine. En ayant ce schéma-là, vous allez tout simplement remarquer que si quelqu'un va en salle de sport et il se met juste à travailler euh, le pectoral droit, ça va être le succès, le succès, le succès. Et il aura un pectoral qui sera nettement plus gros que le pectoral où il a développé la foi en la présence de Dieu. Ça va être le succès. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ça, c'est quoi encore ça? OK? Est-ce que vous me suivez? Donc, euh, vous allez remarquer après aussi que euh, l'abdos juste en haut... Euh, euh, va, va travailler le mariage, l'autre l'autorité, la fertilité. Donc, j'espère que ce schéma est clair pour tout le monde. Faites-le moi savoir, s'il vous plaît. S'il est clair pour vous tous, faites-le moi savoir. Donc, c'est comme un muscle. Vous vous rendez compte alors que euh, si vous ne travaillez pas un muscle, il s'atrophie. OK Vous me comprenez Ça, c'est un gars qui a travaillé tous les domaines, et donc il est costaud. Maintenant, vous allez voir euh, celui qui n'a pas travaillé. OK? Ces muscles-là existent. Cette foi-là, elle existe, mais elle n'est pas travaillée. Est-ce qu'on peut mettre le deuxième, le deuxième schéma, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut mettre le deuxième schéma? Donc, le premier schéma, ça, c'était Jimmy. Le deuxième schéma. Ah, voilà, vous voyez la comparaison. Donc, vous voyez à droite, voilà, vous voyez la foi. Vous voyez à, juste à, à, à droite, quand vous regardez l'écran, euh, euh, cette personne-là n'a pas des muscles très développés. Celui qui est à gauche a des muscles très développés. Donc et pourtant ces muscles existent, ok Donc c'est la même chose avec la foi. Tout ça, ça existe. Vous avez la foi pour la croissance de votre réseau. Vous avez la foi pour la, la manifestation de la présence de Dieu. Vous avez la foi pour le succès. C'est là pour le marais, l'autorité, la fertilité. Vous avez, mais il n'est pas développé, assez comme l'autre. Et là, vous devez vraiment le développer. Est-ce que vous me suivez Donc à gauche c'est Jimmy, à droite c'est qui Donnez un nom, s'il vous plaît. À droite c'est qui, s'il vous plaît bal Balancez, balancez les gens. À droite c'est qui c'est qui à droite c'est Xavier non à droite c'est Glory oui. à droite donnez oui. donnez donne. mardoché à droite ok donnez des noms donnez des noms Johan, Johan. balancez Johan, à droite oui. Johan, Johan, à droite balancez les noms les Rennais, balancez 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 les noms oui. les Rennais, balancez à droite c'est qui ok à Asseur Libre Libreville, à droite c'est hein? c'est Betsa ok <laughs> Quelqu'un dit Adolphe. <laughs> Très bien, vous êtes bien vivant, gloire à Dieu. Vous êtes bien actif. Très bien. Est-ce que vous me suivez Donc, ce chemin est extrêmement important et j'espère qu'il vous aide. Si ce chemin vous aide à comprendre, dites Ça nous a vraiment aidé, apôtre. Euh, OK C'est important que vous compreniez donc que vous devez travailler ça. Et je vous ai expliqué que vous devez travailler ça en étudiant euh, les domaines bibliques qui parlent de, de, de tout ça. En écoutant les enseignements dessus, mais aussi en déclarant. Euh, mais mais aujourd'hui aussi, on va voir que le muscle de la foi va se travailler par l'action. Okay? Donc, vous devez passer en action. Vous devez agir. Vous ne devez pas être là qu'à écouter les enseignements et ne pas les pratiquer. Euh, ne pas être sur le terrain, prier pour les gens, faire des choses. Non, 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 non. non. Vous devez mettre en pratique. OK? Très bien, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas encore partagé, profitez à, à, à partager, ok Moi, je suis au milieu, vous suivez ça Pas très, très, très costaud, mais je ne suis pas maigre. Glory be to God. Hallelujah. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, très bien. Ok, bon, je vais commencer, tout à, je vais commencer le grand 1, ok Quelques erreurs que les chrétiens commettent en pensant mettre leur foi en action. Mais avant, on va juste faire une petite pause, ok une petite pause et je reviens. Ça va être très intéressant. Quelques erreurs que les chrétiens commettent en pensant mettre leur foi en action. Ok, je reviens dans quelques secondes euh, et je vous invite à regarder ceci. Oh, ce nom est si merveilleux! Oh, ce nom est si merveilleux. Senhor vidéo à l'attention du corps médical euh, qui travaille vraiment jour et nuit et qui est au front en ce moment je voulais vraiment vous dire que nous vous aimons pas de technique en famille il n'y a pas d'anniversaire où vous devez aller il n'y a pas d'endroit où vous devez aller vous êtes confiné c'est le moment de se consacrer et de pouvoir écouter la parole amen En tout cas, on peut dire que FFC de Bodé a mis tout le monde au fourneau. Ah. M'adresser tout particulièrement au corps médical, que ce soit les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les secrétaires médicales, peu importe, et j'en passe. J'aimerais vous dire simplement merci, merci de tout cœur. Pour moi, vous êtes des super-héros, vraiment. Vous mettez votre propre vie en danger chaque jour pour en sauver d'autres. Je ne peux imaginer ce que c'est, je ne peux pas me mettre à votre place. J'aimerais simplement vous dire que je suis de tout cœur avec vous. Personnellement, je prie tous les jours pour vous. un petit verset dans la bible qui dit que trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour et vraiment recevez vraiment tout notre amour. Nous sommes avec vous et vraiment beaucoup de courage. Sachez que nous prions pour vous et nous vous aimons. On va s'en sortir. OK, gloire à Dieu. Regardez, n'oubliez surtout pas de nous envoyer vos vidéos s'il vous plaît pendant cette période de confinement. Pour qu'on puisse voir et montrer aux autres chrétiens de la CER ce que vous faites de ces moments de confinement. On a vu vraiment euh, le frère Eric qui a essayé de euh, reconstruire l'ambiance de, des lumières à CER. Vous voyez un peu. C'était marrant et c'était vraiment bien fait. Euh, une vidéo aussi qui m'a marqué, c'est celle des infirmières. C'est vraiment bien. Donc, faites des vidéos, envoyez-les au Pôle Innovation, euh, Cindy et son équipe, pour que nous puissions faire le prochain Zap. Euh, Rappelez-vous que ce dimanche, j'interviens aux deux cultes, aux deux services, et toutes les églises doivent suivre euh, ce que je vais dire. Okay? Donc, ce dimanche, euh, à 10h15 et à 13h, euh, je serai en direct depuis Paris, et vous suivez comme on a fait la dernière fois. Et sachez qu'on a un gros service de communion. Comment on va faire euh, la Sainte-Seine? La Sainte-Seine, euh, ouais, vous pouvez vous abonner aussi, n'hésitez pas hein, à, à vous abonner sur notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Euh, donc, euh, on aura un service de Sainte-Seine. Regardez, vous préparez du pain et puis du jus. Si vous avez le jus de raisin de préférence, vous le préparez. Si vous avez du, du vin rouge, vous le préparez aussi. Okay? Euh, S'il vous plaît, pas en très grosse quantité. Il n'est pas là de se saouler. Il n'est pas question de se saouler pendant ces moments de Sainte-Seine. Et nous allons tous prendre la Sainte-Seine ensemble, euh, euh, vous chez vous euh, et moi ici pour vous montrer. OK Très bien. OK, on va continuer. On va continuer rapidement l'étude. On va continuer. Euh, si je ne termine pas l'étude d'aujourd'hui, on va continuer demain. Euh, on est en train de parler des actions pour pouvoir muscler sa foi. Et euh, euh, en grand 1, on va voir quelques erreurs que les chrétiens commettent en pensant mettre leur foi en action. Quelques erreurs que les chrétiens commettent. En pensant mettre leur foi en action. Très bien. Euh, L'erreur numéro une que les chrétiens mettent souvent, euh, que font souvent plutôt, c'est utiliser sa foi en négligeant l'intelligence et la sagesse. Utiliser sa foi en négligeant l'intelligence et la sagesse. En fait, vous devez comprendre que il y a beaucoup de domaines dans notre vie chrétienne où nous devons en fait euh, faire intervenir notre intelligence et notre sagesse euh, avant de mettre notre foi en action bêtement. J'ai envie de dire stupidement, je ne sais pas si ça se dit. Est-ce que vous suivez ça Et je vais vous prendre des exemples parce que vraiment on voit toutes sortes de choses chez les chrétiens et c'est pour ça qu'ils échouent et ils ne comprennent pas en fait pourquoi ils échouent en fait euh, lorsqu'ils essayent de mettre leur foi en action. Je vais vous prendre un exemple très simple et vous allez vraiment bien le comprendre. Euh, si vous devez passer un examen, en fait, euh, mettre sa foi en, a, en, en action pour euh, réussir cet examen, réussir ce concours euh, n'est pas suffisant. il suffit pas de mettre sa foi en action. il faut étudier aussi à côté. Je ne sais pas si vous me suivez. Regardez moi par exemple si j'ai le bac ou par exemple si j'ai le master 2 à passer ou si j'ai un doctorat à passer ou si j'ai une licence à passer OK? Il ne suffit pas de croire et de déclarer que j'aurai ma licence, j'aurai ma licence, j'aurai ma licence. Là, par exemple, c'est un domaine où l'intelligence et la sagesse doivent intervenir pour avoir sa licence. Est-ce que vous comprenez Si la foi fonctionnait comme ça, je vous assure, le monde, le monde chrétien serait rempli de gens stupides. Et je vous le redis, si la foi fonctionnait comme ça, nos églises seraient remplies de personnes complètement stupides parce que ces personnes n'allaient pas étudier. Elles allaient dire j'ai la foi, j'ai la foi, et euh, elles allaient mettre leur foi en action, et bingo, ça allait marcher, on, leur don... on, a... on allait leur donner un diplôme sans qu'il n'ait de la matière grise. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu veut faire des choses. Il y a un processus d'apprentissage qui est nécessaire pour notre vie et notre destinée. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment mettre votre foi en action lorsque vous passez un examen et que vous passez un concours. Certains chrétiens oublient, hein? Que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les gens associent souvent cet arbre-là à quelque chose de mauvais, mais laissez-moi vous dire, il n'y avait rien de mauvais dans le jardin d'Éden. Tout ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden avait un but et ça devait servir à l'homme. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas quelque chose de mauvais pour l'homme. En fait, c'était juste que Dieu avait prévu un temps où l'homme allait manger, en fait, du fruit de cet arbre. En fait, ce que Adam et Ève ont fait, c'est qu'ils ont mangé ça avant le temps. Et voici ce que moi je pense. Moi, je pense en fait que Dieu leur, leur enseignait des choses. La Bible dit que le Seigneur descendait dans le jardin pour pouvoir discuter avec l'homme. Le Seigneur était leur enseignant pour leur expliquer des choses. Parce que je vous rappelle que Adam et Ève sont nés grands, ok? Et il fallait donc leur expliquer pas mal de choses. Est-ce que vous suivez et l'arbre de la connaissance du bien et du mal allait mettre un saut à cette classe que Dieu était en train de faire, euh, 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 cette classe dans laquelle Dieu avait inscrit Adam et Ève. Est-ce que vous suivez Donc, Dieu avait prévu un temps où Adam et Ève allaient manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils l'ont juste fait au mauvais moment. Donc quand vous voyez cet arbre-là dans le Jardin d'Éden, parce que chacun des arbres dans le Jardin d'Éden a une signification pour notre vie d'aujourd'hui en fait. Il y a l'arbre de la connaissance pour nous dire que la connaissance est importante. Il y a l'arbre de vie pour nous dire que la vie est importante. Est-ce que vous comprenez Et il y a toute autre chose dans le Jardin d'Éden. Est-ce que vous arrivez à me comprendre Donc, même depuis le Jardin d'Éden, Dieu a toujours voulu que l'homme puisse fonctionner dans la connaissance. Et la connaissance s'acquiert par l'enseignement. La connaissance s'acquiert aussi par l'observation et l'analyse. La connaissance s'acquiert aussi par euh, euh, la transmission. Je ne sais pas si j'ai déjà dit que ça s'acquiert par l'observation. Est-ce que vous me suivez Donc, euh, on est en train de parler de mettre sa foi en action pour les examens ou les concours. Vous ne pouvez pas... Passer un concours et dire non, je vais l'avoir. Vous déclarez, vous déclarez, vous croyez que vous la, vous l'aurez et vous n'allez pas étudier. Si vous n'étudiez pas vos leçons, vous ne faites pas l'acte correspondant à votre foi et vous allez échouer. Et si vous échouez, ne dites pas, vous comprenez, que Dieu. Euh, ne vous a pas aidé ou ne dites pas que ces histoires de foi ne fonctionnent pas. Est-ce que vous arrivez à me comprendre, mes chers frères et sœurs? Maintenant, comment concrètement mettre sa foi en action lorsque vous avez des examens? Lorsque vous passez un examen, premièrement, vous mettez votre foi pour une force surnaturelle pour étudier. Une force surnaturelle. La Bible nous fait comprendre que l'onction peut nous donner la force du buffle. Et le gros problème de ceux qui n'étudient pas les leçons, c'est parfois la paresse, parfois ils n'ont pas la force. D'autres, c'est un problème de motivation. Vous pouvez prier pour que la motivation vienne, parce que la Bible nous dit qu'il est celui qui met en nous le vouloir et le faire. Vous pouvez vous baser sur ce verset biblique-là et dire que j'ai le vouloir et le faire, donc j'ai la motivation d'étudier les leçons. Donc en fait, en vérité. Vous mettez votre foi en action pour avoir la motivation parce que la motivation est comme un feu. La motivation est comme un désir brûlant et Dieu peut mettre dans votre cœur une motivation surnaturelle qui peut vous amener à véritablement faire des exploits. Est-ce que vous me suivez mes chers frères et sœurs Donc vous mettez votre foi en action aussi pour la discipline. Vous vous déclarez la discipline, vous dites je suis discipliné, je suis méthodique parce que beaucoup de personnes peuvent être motivées Beaucoup de personnes peuvent être travailleuses, ok, mais ces personnes-là ne sont pas disciplinées, elles ne sont pas méthodiques. Donc vous mettez votre foi en action pour que pendant cette période où vous préparez un examen, que vous soyez discipliné. Un examen, ça ne se prépare pas un mois avant l'examen. Un examen se prépare dès la rentrée et c'est dès la rentrée que vous devez déjà mettre votre foi en action pour toutes ces choses-là. Vous demandez à Dieu de vous discipliner pendant toute l'année. Et vous verrez, le Saint-Esprit sera toujours là pour vous dire révise, étudie alors que tu voudras regarder une série à la télévision. Le Saint-Esprit te dira toujours lève-toi et étudie ta leçon quand tu auras envie de te cacher dans ta couette. Est-ce que vous arrivez à me comprendre Mes chers frères et sœurs, c'est extrêmement important. On ne devient pas un premier de la classe en dormant. Est-ce que vous arrivez à me suivre Il y a des principes et il y a des méthodes. J'ai déjà donné à plusieurs reprises des clés pour être premier de sa classe parce que j'ai été huit fois premier de ma classe. Pendant toute ma scolarité, je, je mélange le primaire, le secondaire et, euh, euh, et, et l'université. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai été huit fois premier de ma classe et je connais la formule que j'ai appliquée. C'était quelle formule? Après avoir euh, suivi un cours, euh, quand je rentrais à la maison, je relisais tous mes cours. Et avant d'aller en classe, je me levais tôt pour pouvoir lire euh, le cours qu'on a eu euh, euh, avant d'aller regarder un autre cours. Si vous le faites, vous vous rendrez compte que à la fin de l'année, à la période des, des examens, euh, votre mémoire sera correctement développée. Est-ce que vous comprenez ça Et les révisions seront plus faciles et vous serez la tête et non la queue, comme dit la Parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous mettre tout simplement à déclarer, je suis la tête et non la queue, et vous ne travaillez pas. Vous ne pouvez pas déclarer, je suis la tête et non la queue, vous n'êtes pas discipliné. Vous ne pouvez pas dire, vous êtes la tête et non la queue, et, 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 et. vous n'êtes pas motivé. Est-ce que vous comprenez Donc, il faut aller déjà euh, à la source, aller déjà à la base. Est-ce que vous me suivez Vous êtes toujours avec moi Est-ce que vous me suivez regardez il y a beaucoup beaucoup de domaines dans notre vie chrétienne où nous devons développer notre foi pour la sagesse et l'intelligence en fait comprenez que s'il y a beaucoup de domaines dans notre vie où on a besoin de sagesse et d'intelligence alors on doit développer la foi pour la sagesse et l'intelligence regardez je vais vous montrer quelque chose de très très important vous prenez proverbes chapitre 24 le verset 3 proverbes chapitre 24 verset 3 la bible nous dit c'est par la sagesse qu'une maison se construit et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de puissance et c'est lui qui a la connaissance accroît sa force. Il y a quelque chose que vous devez comprendre la connaissance et la foi. Ça va ensemble. C'est l'une des raisons pour lesquelles on va étudier dans 1 Pierre chapitre 1. La Bible va nous dire d'ajouter à notre foi la connaissance. Est-ce que vous arrivez à me, me comprendre Ça va ensemble. C'est important que vous compreniez ça. Il y a beaucoup de domaines où les deux s'imbriquent. C'est l'une des raisons pour lesquelles ceux qui mettent leur foi en action stricto sensu sans ajouter l'intelligence et la sagesse peuvent échouer. Je vais vous prendre un exemple très simple. Dieu vous a demandé de monter une entreprise. Et vous ressentez véritablement dans votre esprit qu'il faut que vous montiez l entre une, une entreprise, et, et c'est vrai, c'est vraiment Dieu qui vous a parlé. Ok. Euh, le problème c'est quoi C'est que si vous ne prenez pas des informations, si vous ne vous formez pas sur la création d'entreprise, la gestion d'une entreprise, si vous ne vous formez pas dans le domaine dans lequel vous voulez lancer votre entreprise, parce que les entreprises ont des domaines, il y a des entreprises dans l'audiovisuel, il y a des entreprises dans, euh, comment on appelle ça, euh, euh, l'agriculture, il y a des entreprises dans les services, par exemple la coiffure. Si vous ne vous formez pas dans le domaine de la coiffure, si vous voulez faire une entreprise de la coiffure, mes chers frères et sœurs, vous mettez votre foi en action pour le succès. Vous n'allez pas pouvoir réussir cette entreprise-là parce que vous n'avez pas la connaissance nécessaire. Il faut associer à votre foi la connaissance qui va avec. Est-ce que vous suivez? Et quand vous associez la connaissance qui va avec... La foi que votre entreprise va prospérer, va marcher correctement à ce moment-là, votre foi a besoin de cette connaissance, votre foi a besoin de cette science. Est-ce que vous comprenez Vous savez, pendant plusieurs années, j'avais la foi que mes églises allaient grandir. Je l'avais véritablement et je l'ai toujours dit. Est-ce que vous suivez Jusqu'à ce que je m'arrête à un moment donné, je me dis non, il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi arriver à un certain nombre euh, euh, église, Nos églises ne grandissent plus. Je me suis assis, j'ai dit, mais j'ai la foi, mais pourquoi ça ne marche plus Et je me suis rendu compte qu'il me fallait approfondir ma connaissance sur la croissance de l'Église. Je me suis assis, j'ai regardé tous mes livres sur la croissance de l'Église et je les ai étudiés. Bien sûr que c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit parce que j'ai posé la question au Saint-Esprit. Je lui ai dit, mais pourquoi, pourquoi ceci, Seigneur Et le Saint-Esprit me dit, la solution est dans ta bibliothèque. La solution est dans ta bibliothèque. J'ai entendu ça plusieurs fois à chaque fois que je regardais euh, ma bibliothèque, le Saint-Esprit me disait la solution est là-dedans. Je me suis assis, j'ai pris tous mes livres de croissance de l'église, je les ai étudiés, je me suis rendu compte que euh, en vérité, je pensais les avoir lus, mais je ne les avais vraiment pas lus, je m'arrêtais toujours à un endroit. Et là, je les ai lus. J'ai bûché, bûché, j'ai passé près de trois mois à avoir la connaissance nécessaire pour pouvoir percer les mystères de la croissance de l'Église. Quand j'ai présenté la stratégie à, à, à notre équipe pastorale et que nous l'avons mise en, en pratique, ben ça marche partout dans toutes nos églises. Est-ce que vous suivez J'avais la foi, comme beaucoup de pasteurs peut-être qui me regardent, ils ont la foi pour la croissance de leur Église, mais ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de bonne stratégie il y a des pasteurs que je vois ils sont vraiment motivés je vous assure ils sont vraiment motivés ils veulent vraiment que leur église grandisse vous savez mais ils font plein de trucs quand je, quand je, quand je les vois faire je dis mais l'église ne grandira jamais comme ça pourquoi parce que c'est des choses que moi-même j'ai essayé vous pouvez avoir la foi comme quoi si vous n'avez pas la connaissance qui va avec euh, ce que vous poserez comme action détruira toujours votre foi est-ce que vous arrivez à me suivre Est-ce que vous me suivez attentivement Donc, il y a beaucoup de domaines comme ça où on a besoin d'intelligence et de sagesse. Je vous prends un exemple, par exemple, aussi euh, par rapport au mariage. OK Il y a des personnes, par exemple, leur mariage bat de l'aile et je leur fais comprendre que en fait, ce qu'il vous faut, c'est pouvoir changer de caractère. Là, par exemple, la foi pour que ton mariage soit sauvé, c'est quoi c'est le fait que tu réajustes ton caractère. Il y a des choses dans ton caractère que tu dois réajuster. Donc, tu peux passer ton temps à confesser, confesser, confesser. Non, il va revenir, il va revenir. Elle va revenir, elle va revenir, elle va revenir. Déclarer, déclarer, déclarer. Non, mon mariage sera sauvé, mon mariage sera sauvé, mon mariage sera sauvé. Si tu ne répares pas ce qui a détruit ton mariage, ce qui a fait partir ta femme, ce qui a fait partir ton mari, si tu ne répares pas ça et tu ne changes pas ça, si tu ne réajustes pas ça, ta foi elle est morte. C'est la foi sans les œuvres. Est-ce que vous comprenez un peu ça C'est l'une des raisons pour lesquelles quand on prêche sur la foi, les gens sont surexcités et ils pensent que qu'on met sa foi en action n'importe comment. Est-ce que vous comprenez et, et là, ils vont commencer à se jeter, croire en tout, déclarer tout et n'importe quoi. Maintenant, je déclare que la lune grossit un peu plus pour que ce soit un peu plus romantique. Ça ne marchera jamais. Vous comprenez Parce que ce n'est pas votre rôle de pouvoir faire grossir la lune. Est-ce que vous arrivez à me suivre donc, là, hein, par exemple, pour prendre l'exemple du mariage, parfois, hein, pour avoir un mariage réussi, il suffit pas de dire, je confesse et je déclare que j'ai un mariage réussi. Il faut poser des actions. Le mariage va demander... Euh, vraiment un compromis entre les deux. Le mariage va demander beaucoup de choses. Le mariage va demander beaucoup d'humilité. Le mariage va demander vraiment la mort en soi-même. Est-ce que vous comprenez Il faut vraiment mourir en soi-même pour faire plaisir à l'autre, pour que, pour que le mariage soit réussi. Et il faut que ce soit réciproque. Est-ce que vous suivez ça Donc à ce moment-là, si tu veux sauver ton mariage, si tu veux vivre un mariage heureux, il suffit pas de déclarer que non, je vis un mariage heureux, il ne suffit pas de prendre la parole de Dieu et de pouvoir s'asseoir dessus et puis pouvoir déclarer non, il faut réajuster ce qu'il y a à réajuster dans ton caractère, dans ton comportement, dans ta façon de parler, dans ta façon de faire les choses pour pouvoir euh, 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 avoir un mariage réussi. Est-ce que vous arrivez à me comprendre Je vais vous prendre encore un autre exemple. Euh, si par exemple vous voulez avoir un enfant, euh, je vous assure, vous ne pouvez pas faire l'amour une fois par mois. Ce n'est pas possible. Vous pouvez toujours déclarer, parler, proclamer que ai, je crois que j'ai un enfant, je crois que j'ai un enfant. Si vous faites l'amour même une fois par semaine, je suis désolé, euh, euh, votre foi-là n'est pas accompagnée des œuvres. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous me suivez attentivement Vous devez le faire tout le temps, tout le temps. Si vous voulez un enfant, mes chers frères et sœurs, peut-être même tous les jours, il faut le faire. Tout le temps, tout le temps. Et il y a des versets bibliques qui le disent. Et là, certaines personnes crient, ils disent Quoi, mon Dieu, tous les jours, mais on va s'enlacer. Mais vous voulez un enfant ou pas Est-ce que vous voyez Vous y allez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous me suivez attentivement C'est extrêmement important. Donc, on va avoir beaucoup d'autres domaines. Où il faut faire intervenir l'intelligence. Non, on va voir beaucoup de domaines où les gens font, font des grosses erreurs. Mais retenez que l'intelligence et la sagesse est extrêmement importante. Regardez, voici ce que la Bible nous dit au sujet de l'intelligence et la sagesse. Vous prenez Jacques, chapitre 1, verset 5. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un là Est-ce que je vous bénis, mes chers frères et sœurs Gloire à Dieu. Oh, quelqu'un me dit apôtre, tu es trop pratique. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Je vous ai dit qu'on allait être pratique dans cet enseignement-là, ok Gloire à Dieu. Regardez-vous, prenez Jacques chapitre 1, verset 5. Regardez. Jacques chapitre 1, dès le verset 5. La Bible va dire, voici la clé en fait de la sagesse. Il faut la demander à Dieu. Salomon a demandé à Dieu la sagesse. C'est pour ça que Dieu lui a donné la sagesse. Et on s'est rendu compte après que la sagesse et l'intelligence amènent le succès, amènent la prospérité. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Donc, demandez la sagesse à Dieu. Regardez, Jacques chapitre 1, du verset 5 au verset 8 nous dit Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. OK. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé d'un de, 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 côté et d'un autre. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Est-ce que vous me comprenez La Bible dit qu'il la demande simplement. Est-ce que le mot simplement ne vous intrigue pas En fait, Dieu est en train de vous dire, si tu manques de sagesse dans un domaine, ne complique pas demande à Dieu prie demande au Seigneur la sagesse dis Seigneur donne-moi la sagesse dans tel domaine si tu manques de sagesse dans le mariage dis Seigneur je manque de sagesse dans le mariage si tu manques de sagesse dans les relations et comme là déjà dit dis Seigneur je manque de sagesse dans les relations si tu manques de sagesse euh, dans dans, dans la gestion des responsabilités qu'on t'a données à l'Église. Demande simplement à Dieu, c'est tout. Demande-lui. Une fois, euh, j'ai dit quelque chose euh, euh, à mon épouse, euh, parce qu'on discute souvent toutes les semaines, on discute sur le ministère, tout ça. Euh, euh, et, et je lui donne souvent des conseils, je la coach euh, euh, pour, que, pour que vraiment elle devienne un ministre de Dieu excellent, pertinent comme le Seigneur le veut. Oui, je le fais aussi avec ma femme comme je le fais avec tout le monde. Est-ce que vous suivez et, et, et je lui dis, tu sais, quand il te manque quelque chose dans le ministère et que tu sens que tu as besoin de cette chose-là en toi, demande-la tout simplement à Dieu. Demande-la tout simplement à Dieu. Et, et, et je prends souvent l'exemple, et je crois que je l'ai déjà dit aussi à, à, à mes 12, je prends souvent l'exemple de lorsque j'ai commencé à prêcher. Quand j'ai commencé à prêcher, je me suis rendu compte que, en fait, mon éditoire était comme austère. Et je me suis dit, si je mettais un peu d'humour, à l'intérieur, je pense que mes prédications seraient plus vivantes. Mais le problème, c'est que je ne savais pas comment faire rire les gens pendant une prédication. La prédication, c'était quelque chose de tellement sérieux, ok, et que je n'arrivais vraiment pas. Et là, j'ai demandé à Dieu parce que l'un de mes pasteurs à Libreville était extrêmement drôle et on ne voyait jamais le temps passer lorsqu'il prêchait. Et, et c'était vraiment agréable pour moi. Je me suis dit non, je pense que si j'ai ça dans mes prédications les gens vont pouvoir m'écouter des heures et des heures sans se lasser. Et j'ai commencé à demander ça à Dieu. J'ai dit Seigneur, s'il te plaît, donne-moi le sens de l'humour et ça a commencé à se développer. Est-ce que vous comprenez Donc quand il y a quelque chose qui vous manque, n'hésitez pas de demander à Dieu. Là, on est en train de parler de la sagesse et de l'intelligence. On se rend compte qu'il y a des domaines où mettre sa foi en action, c'est pas suffisant. Il faut être sage et il faut être intelligent. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que tu fais Jacques te dit que si tu manques de sagesse, on t'a déjà dit que tu manques de sagesse, demande à Dieu, prie tous les jours, demande ça à Dieu. Vous savez, quand tu demandes quelque chose au Seigneur, tu dois vraiment le désirer. Quand tu le désires, la Bible dit qu'il va te le donner. Amen, amen, est-ce que je vous aide Est-ce que je vous aide Faites-moi savoir si je vous aide. OK? Deuxième erreur qu'on fait, deuxième erreur que les gens font, c'est l'erreur de ne pas commencer petit et aller progressivement. Vous comprenez? L négliger l'étape des petits commencements. Ça, c'est une très grosse erreur. Les gens veulent déjà transporter. Des haltères de 20 kilos à droite, 20 kilos à gauche, alors qu'ils n'ont jamais soulevé des haltères de 5 kilos à gauche, 5 kilos à droite. Allez progressivement. La foi est un muscle. Vous ne pouvez pas soulever des problèmes très graves si vous n'avez pas appris et vous ne vous êtes pas exercé à soulever des petits problèmes. Exercez votre foi, apprenez à mettre votre foi en action. Vous ne pouvez pas tout simplement rester là, vous la coulez douce, ok, euh, et ne pas utiliser votre foi à chaque fois. Euh, que vous en avez besoin. Et puis un jour, quelque chose de grave arrive. Vous vous rendez compte qu'il euh, euh, faut à tout prix la foi parce que là, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Et là, vous voulez maintenant utiliser votre foi. C'est normal que beaucoup échouent parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'exercer de, 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 leur foi avec des petits commencements. Je vous prends un exemple très simple. Je vous dis souvent, non, quand vous avez mal au ventre, mettez votre foi en action. OK, pour les mots de vente, vous avez mal à la tête, mettez votre foi en action. Vous avez un rhume, mettez votre foi en action. Mettez votre foi en action pour des petites choses. Euh, par exemple, euh, vous cherchez une place de parking, vous tournez, vous mettez votre foi en action que vous allez trouver une place de parking, OK euh, Vous mettez votre foi en action que le bus ne viendra pas en retard. Euh, vous mettez votre foi en action sur certaines choses parfois que certaines vont comme, certains vont considérer comme dérisoires. Mais ces choses-là, quand votre foi va fonctionner euh, avec ces petites choses-là, euh, ça va grandir vous perdez vos clés vous vous restez dans la paix et vous croyez que vous allez les retrouver. Vous déclarez que vous allez retrouver vos clés. Est-ce que vous comprenez Vous êtes en train de cuisiner. Vous faites vraiment tous vos efforts pour correctement cuisiner. Vous déclarez que le plat va réussir au nom de Jésus. Dans les petites choses comme ça de la vie, vous déclarez, vous mettez votre foi en action. Ça va en fait préparer votre mind, ça va préparer votre mentalité à toujours être dans la foi et à toujours croire que les choses vont bien se passer. Et c'est comme ça que votre foi va grandir progressivement. Est-ce que j'aide quelqu'un? Est-ce que j'aide quelqu'un? OK? Vous me suivez? Et même quand vous priez pour les gens, allez progressivement. Allez progressivement. Un jour, j'ai eu un débat avec, euh, avec certains responsables de l'Église il y a quelques années de cela. Euh, et là-dessus, j'avais réprimandé même ces responsables-là. Certains me disaient Oui, mais des gens sont guéris des douleurs aux genoux, des douleurs accessibles. Les gens, les sourds d'une oreille sont, sont, sont guéris. Mais nous, on a envie de voir les morts ressuscités. On a envie de, de voir des cas très graves. Bon, moi, je leur ai tout simplement dit qu'en attendant, en fait, c'est lui qui priait pour les gens afin qu'ils soient guéris, c'était moi. Que je ne les ai jamais vus prier, même ne fût que pour les douleurs aux genoux, Donc, qu'ils se taisent, en fait. Euh, Qu'est-ce que moi j'ai fait pendant ces temps-là J'ai exercé ma foi en priant pour ces choses euh, qui paraissent bénignes en fait. Est-ce que vous comprenez Mais ma foi s'est développée au fur et à mesure. Je vais vous prendre un exemple très simple. Beaucoup de gens sont allés prier pour la résurrection des morts alors qu'ils n'ont jamais prié pour des comateux. Il faut com commencer par des personnes qui sont dans le coma par exemple. Euh, vous priez pour que ces personnes-là se réveillent du coma et quand vous priez, ces personnes se lèvent du coma, euh, de toutes les façons, vous allez voir, votre foi va grandir. Et le jour où vous serez en face d'un mort, vous prierez pour que le mort revienne à la vie. Est-ce que vous me suivez, mes chers frères et sœurs Même dans la parole de Dieu, quand j'étudie les miracles de Jésus, euh, j'ai l'impression qu'il y a une chronologie. J'ai l'impression que, que, que c'est progressivement, en fait. Il va commencer par transformer l'eau en vin. Est-ce que vous suivez ça euh, quelque chose, les gens peuvent penser dire, non, peut-être qu'il y avait du vin caché. Et, et l'un des miracles qui me stupéfait, et il va vraiment monter en puissance, il va vraiment monter en puissance, il va faire la multiplication des pains, après il va marcher sur l'eau, et après l'un des miracles vraiment les plus spectaculaires, c'est la résurrection de Lazare. Parce que les résurrections, Jésus les avait faites déjà. Hein? Il, va il, va, il va ressusciter cette jeune fille-là qui était morte, mais elle venait de mourir. Est-ce que vous suivez euh, Il va ressusciter ce jeune homme là, euh, la veuve de, de Naïn, mais, mais ces jeune homme là aussi venait de mourir. Et là, je vois des personnes qui disent, oui, mais si on allait l'enterrer, c'est que peut-être qu il était déjà mort depuis deux, trois jours. Non, les Juifs enterraient leur mort le jour même. Est-ce que vous comprenez Donc, il venait de mourir. Et donc, il va aller progressivement. Et après, il va prier pour Lazare, qui était mort depuis quatre jours. La Bible nous dit même qu'il était déjà décomposé. Est-ce que vous arrivez à me comprendre Et il va aller progressivement même, parce que lui-même, il va mourir et il va revenir lui-même à la vie. <laughs> Est-ce que vous comprenez ça, mes chers frères et sœurs Alléluia. Vous pensez sincèrement que Jésus n'avait pas la foi qu'il allait revenir à la vie Jésus avait la foi qu'il allait revenir à la vie parce qu'il l'annonçait. Parce qu'il le déclarait, il le dirait, il le disait. Non, euh, le fils de l'homme, il va mourir et après, il va revenir à la vie le troisième jour. Donc, il avait la foi qu'il allait revenir à la vie. Est-ce que vous allez me comprendre Donc, allez progressivement, prenez l'habitude de le faire progressivement et vous allez voir votre foi va grandir et vous allez croire en des choses un peu plus compliquées. Ok Autre chose extrêmement important. Autre erreur que les gens font. C'est arrêter de prendre ces médicaments en pensant que croire qu'ils sont guéris, c'est se comporter comme tel. Arrêter la médication en croyant que c'est cela la foi. Ça, c'est aussi une très, très grosse erreur. Parce que beaucoup arrêtent les médicaments et disent non, j'ai la foi, j'ai la foi. Et très souvent, lorsque vous étudiez les raisons pour lesquelles les gens arrêtent les médicaments, ce n'est parfois pas parce qu'ils ont tout simplement la foi. Hein. Ils vont prendre la foi pour prétexte. Mais la vérité, c'est que les médicaments commencent à être contraignants pour eux, ok Il y a tellement d'effets secondaires, il y a des choses qui se passent avec ces médicaments-là, machin. Euh, euh, Écoutez-moi bien, mes chers frères et soeurs. Les médicaments ne sont pas une mauvaise chose. Je ne vais pas entrer dans le débat de certains médicaments qui peuvent avoir des effets indésirables, de certains médicaments qui peuvent être toxiques. Je parle des bons médicaments quand euh, euh, tu as une très bonne médication, c'est-à-dire que le médecin te prescrit des très bons médicaments qui correspondent à ta pathologie. Okay. En principe, ce médicament-là doit aller dans le sens de la guérison et du rétablissement. Okay. Ou dans le sens de la diminution des symptômes. Est-ce que vous arrivez à me comprendre, mes chers frères et sœurs Donc, l'erreur que beaucoup de chrétiens font, c'est j'ai la foi, que je suis guéri, donc je ne prends plus les médicaments. Le problème, c'est quoi C'est que les symptômes vont revenir en force. Et il y a un gros problème avec la, la petite foi c'est que la petite foi, lorsque les symptômes reviennent avec force, elle a du mal à s'exprimer. Pourquoi Parce que les symptômes crient plus fort que votre foi qui est petite. Les symptômes vont agir comme les, les vagues et le vent qui ont embêté Pierre dans l'histoire que nous avons vue hier. Est-ce que vous suivez et c'est alors que le médicament va nous aider à faire taire les symptômes pour que notre foi s'exprime un peu mieux. Est-ce que vous comprenez ça pendant que les symptômes sont maîtrisés par le médicament, vous continuez à croire que vous êtes guéri. Est-ce que vous comprenez Et les médecins vont remarquer que vous êtes guéri. Et quand les médecins vont remarquer que vous êtes guéri, ils vont vous demander d'arrêter les médicaments. Dieu va créer une circonstance, vous irez faire des examens, et ils vont remarquer que vous n'avez plus cette pathologie-là. Et ils vous demanderont d'arrêter. Est-ce que vous comprenez ça Maintenant... Il y a des personnes qui vont entendre clairement la voix de Dieu. Dieu va le leur dire. Ils vont sentir clairement. Ils ont la foi. OK. Euh, euh, si tu ressens la foi, la foi a, marche toujours. Donc si tu as véritablement la foi, ça veut dire que tu es véritablement guéri. Ça veut dire que quand tu renvoies les médecins, les médecins vont constater que tu es véritablement guéri. Si les médecins constatent que tu n'es véritablement pas guéri, alors je suis désolé. Il faut reprendre les médicaments. Sinon... Tu peux, tu peux avoir des choses graves. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont morts. Et on se retrouvait dans des églises à donner, à essayer de donner des explications. Et les chrétiens m'ont dit Mais pourquoi la personne est morte On a prié, on a déclaré, elle a prié, elle a déclaré. Ben, elle a arrêté les médicaments. Il ne fallait pas qu'elle arrête les médicaments. Est-ce que vous comprenez Les médicaments ne sont pas mauvais. Est-ce que vous suivez Lorsqu'ils sont prescrits correctement. Est-ce que vous me suivez Donc les deux travaillent pour notre guérison. Vous êtes toujours avec moi. Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, ne blaguez surtout pas, surtout pas avec ça. Vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. OK. Quatrième, quatrième erreur et dernière erreur. La deuxième partie, on la, verra, on la verra demain. OK? On la verra demain. Quatrième moment, quatrième erreur, lorsque on croit pouvoir poser des actions pour pouvoir muscler notre foi, faire un chèque en bois et le donner en pensant que Dieu va combler le compte. C'est une très grosse erreur. Et je sais que beaucoup de gens, vous me regardez, vous êtes comme dans la désillusion. Vous dites, mais je pensais que ça marchait comme ça. Regardez, écoutez-moi, certaines personnes l'ont fait et ça a marché parce qu'elles ont véritablement eu la foi. Euh, comprenez que les actions que nous posons, ce sont des actions pour manifester la foi, pour amener la foi à agir. OK Est-ce que vous suivez Donc, il y a des moments où la foi est véritablement là. Et Dieu va vous demander, en fait, de poser un acte. Et il y a des moments où vous devez poser l'acte pour pouvoir provoquer la manifestation de la foi. Est-ce que vous suivez Et c'est là où beaucoup de chrétiens font, font, font des erreurs. En fait, ils vont parfois poser l'acte pour pouvoir provoquer la manifestation de la foi. Donc, la foi n'est pas manifeste. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils prennent des risques énormes. Vous pouvez faire... Euh, 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 l'action quand vous avez la foi le compte va être comblé mais là il faut vraiment être sûr que vous avez la foi ok faut être sûr si vous n'êtes pas sûr c'est quelque chose que je déconseille vivement maintenant je vais vous montrer comment faire ne vous inquiétez pas on va vraiment nuancer il y a eu des moments où Dieu a clairement parlé à certaines personnes. Ça je, ne le, ça, je ne le nie pas. Il y a eu des moments où Dieu euh, vous a demandé de pouvoir prendre tout ce qu'il y avait dans votre compte et de donner ça moi ça m'est déjà arrivé et quelques quelques temps après quelques jours après le miracle est venu mais Dieu m'a vraiment parlé j'ai vraiment senti j'avais vraiment la foi pour ok j'avais vraiment la foi et je l'ai fait si vous n'avez pas la foi pour ne le faites pas maintenant je vais vous montrer ce que vous devez faire pour provoquer la foi pour que la foi puisse venir pour que votre acte votre action puisse provoquer la manifestation de la foi et produire le miracle j'espère que c'est clair pour tout le monde jusque là donc, regardez, vous avez vos factures qui sont là, ok. Vous avez par exemple quatre factures. Vous avez une facture d'électricité, vous avez euh, un, une échéance de prêt qui n'est pas payée, vous avez le loyer et vous avez par exemple la facture de téléphone. Et vous les avez ici sur papier. Et vous avez un chéquier, mais vous n'avez pas d'argent sur le compte. Voici l'acte correspondant qui va provoquer la manifestation du miracle qui fera en sorte que votre compte soit comblé. Voici l'un des actes correspondants. Vous prenez la facture d'électricité, par exemple, et c'est 150 euros. Vous signez un chèque, vous prenez le chèque, vous marquez 150 euros à l'ordre de EDF ou Direct Assurance. Vous déchirez le chèque, vous collez sur la facture, vous agrafez, OK? Et vous déposez sur la table. Vous ne l'envoyez pas parce que vous n'avez pas l'argent dans le compte. Si vous l'envoyez alors que vous n'avez pas la foi, c'est un chèque en bois, vous aurez des problèmes. Il est question là de poser des actions pour muscler sa foi. Est-ce que vous comprenez? Pour pousser notre foi à agir dans de telles circonstances. Vous prenez la deuxième facture, OK? Et une échéance de prêt, 450 euros. Vous signez le chèque de 450 euros, OK? Vous mettez l'ordre, vous marquez, vous agrafez, vous faites de même sur les autres factures. Et vous collez ces factures, soit dans votre chambre, soit vous les déposez sur votre table. Et à chaque fois que vous priez, vous regardez ces factures et vous déclarez la provision divine. Vous dites, au nom de Jésus, je déclare la provision. Je vous assure, mes chers frères et sœurs, l'Esprit de Dieu me dit que beaucoup d'entre vous qui allez faire ça, vous allez voir des miracles. Je vous assure, vous allez revenir me voir pour pouvoir dire que ce que tu as dit, c'est vrai. J'ai vu le miracle se produire. Je vous assure, bien aimé. Je vous assure. Et là, vous parlez, vous déclarez que ces factures sont payées. Vous déclarez que la provision arrive sur votre compte. Et à chaque fois que vous regardez ces factures, vous dites au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la provision arrive dans le compte. Je déclare ces factures payées. Vous allez commencer à voir des opportunités qui vont s'ouvrir pour que l'argent puisse entrer dans votre compte. Et à partir de ce moment-là, OK, quand l'argent est dans votre compte, envoyez tout simplement ces chèques-là. OK, ce ne seront pas des chèques en bois. Est-ce que vous comprenez Là, par cette action, vous provoquez la manifestation de la foi. C'est important que vous compreniez que la foi, c'est au présent. C'est important que vous compreniez que quand la foi est là, elle marche toujours et toujours. Et elle va amener, vous comprenez, le miracle à se manifester. Et quand le miracle ne se manifeste pas, c'est que la foi n'est pas encore pleinement développée, c'est que la foi n'est pas encore pleinement en action. Est-ce que vous arrivez à me comprendre, mes chers frères et sœurs Vous devez amener votre foi à développe en développement total avant de prendre des gros risques. Est-ce que vous suivez Et là, on va parler, par exemple, du cas de Pierre. Et l'une con des conceptions théologiques avec lesquelles je suis, je suis d'accord, c'est qu'avec une petite foi, c'est risqué d'aller... Euh, faire des choses qui sont extrêmement dangereuses. Pierre n'avait pas une grande foi, est-ce que vous comprenez Pierre a osé marcher sur l'eau. Et on a bien vu, vous comprenez, que sa foi a fonctionné à un moment donné et après il s'est noyé en fait. Et là, on peut se demander, mais pourquoi Jésus a permis à Pierre de pouvoir marcher sur l'eau alors qu'il savait que la foi de Pierre était petite et qu'il risquait la noyade Est-ce que vous me suivez que Pierre risquait la mort, pourquoi Jésus a permis ça Et c'est ce que nous faisons souvent. Nous prenons des risques énormes alors que notre foi est encore petite, et elle est fragile. Alors que nous devons amener notre foi à se développer plus pour pouvoir prendre des risques équivalents au niveau de notre foi. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous dire Et, et c'est là où le Seigneur m'a fait comprendre qu'en fait, euh, euh, Jésus n'a jamais dit à Pierre de venir. Est-ce que vous suivez Jésus n'a jamais dit à Pierre de venir. Et là, c'est un d'entre vous vous me dites, oui, mais on voit bien Jésus qui dit à Pierre viens. Non, Pierre va poser une question, va demander quelque chose à, à Jésus. Il va faire une toison. Il va dire à Jésus, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir. Vous vouliez que Jésus dise quoi Non, c'est pas moi, ne viens pas. Il a posé la question. Il a dit, si c'est toi, demande-moi de venir. Il fallait que Jésus réponde. Est-ce que vous mais comme comme c'était lui, il pouvait pas mentir. Il a dit, ben viens. Que vous... Il a posé tout simplement une toison et Pierre a marché sur l'eau. Et on a vu ce qui se passe lorsque quelqu'un n'a pas la foi correctement développée et il prend des risques. Euh, 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 qui, qui, qui sont une question de vie ou de mort. Est-ce que vous arrivez à me comprendre, mes chers frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez, j'espère vraiment que vous me comprenez, ne blaguez pas avec ça. L'une des raisons pour lesquelles on lapide les prédicateurs de la foi, c'est à cause de ce genre d'excès-là. Et on ne comprend pas, en fait, comment mettre sa foi correctement en action. La foi, c'est quelque chose qui se développe, OK Ne prenez pas des risques inutiles. Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi je vais vous montrer comment muscler sa foi financière ok lorsque on a certains défis par exemple muscler sa foi c'est euh, tu as un défi ok euh, tu dois acheter quelque chose qui coûte 5000 euros OK? Et tu n'as que 500 euros. Mais ces 500 euros-là, tu as prévu d'acheter une télévision avec. Ces 500 euros, tu as, acheté, tu as prévu d'acheter la dernière robe. Tu as prévu d'acheter le dernier sac Gucci ou je ne sais trop quoi. OK? Ces 500 euros-là, tu as prévu faire ça avec. Euh, 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 tu prends ces 500 euros et là, tu les sèmes. Et quand tu les sèmes, vous comprenez, tu forces ta foi à attirer les 5 000 euros. Okay. Il est question ici de te priver des choses qui ont un rapport avec ton confort, pas des choses qui concernent la vie ou la mort. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais être encore plus pratique. Je prends un exemple. Euh, si tu as 500 euros, okay, et que tu as besoin de 5000 euros pour faire face à certains défis, et que les 500 euros-là, ce sont les 500 euros avec lesquels tu dois payer ton loyer, okay, laisse-moi te dire, c'est une folie de prendre ces 500 euros-là et de faire une offrande avec en sachant que si tu ne payes pas ton loyer, on peut te mettre dehors. Je ne suis pas en train de dire que ça ne se fait pas. Je suis en train de dire que pour le faire, il faut avoir reçu une parole du Seigneur et il faut vraiment que la foi soit là. Tu ne le fais pas pour développer ta foi, tu ne le fais pas pour muscler ta foi, tu ne le fais pas pour forcer ta foi. Tu le fais quand la foi est déjà là, parce que quand la foi est là, le miracle vient systématiquement. Est-ce que vous comprenez Il faut avoir entendu clairement la voix de Dieu, il faut être certain, avoir la ferme assurance, et tu y vas et tu verras des miracles. Moi aussi, Dieu m'a demandé déjà de faire des choses comme ça, vous comprenez Parce que parfois, pour déclencher un miracle financier, parfois le Seigneur va. Le Seigneur va, va nous demander de faire des choses, certains sacrifices. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est important que vous puissiez euh, euh, comprendre ces choses-là. C'est extrêmement, extrêmement important. J'espère que c'est clair, 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 clair pour tout le monde. Est-ce que vous suivez? Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas te dire, OK, de faire ça, de faire quelque chose de risqué. Parce que je suis désolé, prendre son fils Isaac et l'amener pour le tuer, c'est quelque chose de très risqué. Vous suivez Mais il faut être sûr que c'est Dieu. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr. Est-ce que vous comprenez Et quand on n'est pas sûr, on fait des choses qui amènent des résultats catastrophiques. Et là, on... vraiment, c'est compliqué. Est-ce que vous comprenez Donc, il faut qu'il y ait la foi. On ne pose pas d'action risquée pour muscler sa foi. Est-ce que vous comprenez ça Vous suivez ça On se prépare pour ça. Par exemple, l'une des choses que je dis souvent aux gens, si vous voulez euh, muscler votre foi financièrement et faire des grosses offrandes, préparez-vous. Préparez-vous, est-ce que vous comprenez Préparez-vous. C'est-à-dire, je prends un exemple, maintenant il faut que je mette ma foi en action parce qu'il faut que je, je fasse une offrande, par exemple de 2000 euros, parce que je sais que cette offrande-là va m'amener à autre chose, parce que je veux booster, muscler ma foi pour les finances. Euh, C'est bien de le faire, ok Vous comprenez Mais préparez-vous. Préparez-vous, ok? Donc, épargnez, mettez de côté jusqu'à ce que vous ayez les 2 000 euros. Quand vous avez les 2 000 euros, prenez-les, allez faire l'offrande, votre foi va effectivement se, se booster. Mais s'il faut prendre un risque, il faut vraiment être sûr que vous avez la foi. Les risques, on les prend quand on a vraiment la foi, pas quand on est en train de les muscler, la foi. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? My God, est-ce que vous me suivez attentivement? C'est très important ce que je suis en train de vous dire, ok? Gloire à Dieu. L'autre chose pour faire, euh, par exemple, lorsque vous avez beaucoup de dettes, euh, 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 l'une des choses, c'est s'entendre avec les créanciers. Appelez chacun des créanciers et expliquer aux créanciers que euh, euh, vous proposez un, un arrangement. Est-ce que vous suivez Ne fouillez pas vos créanciers. Parce que fouiller ses créanciers, ce n'est pas un acte correspondant à la foi. Okay? Ne parlez, regardez ces comptes, ce n'est pas un acte correspondant à la fois. Il faut regarder vos comptes, il faut les affronter, et il faut affronter vos créances et vous les appelez tous et vous expliquez que vous allez trouver un arrangement. Vous me suivez attentivement. J'espère que je vous ai aidé. Il y a encore beaucoup de choses à voir sur les actions à poser pour muscler votre foie. J'espère vraiment que cet enseignement-là vous a béni, ok Écoutez-moi. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne euh, et que vous êtes tombé par là par hasard, abonnez-vous maintenant sur notre YouTube comme ça. Lorsqu'on a des lives, vous êtes systématiquement informé ok euh, et si vous me regardez sur facebook et que vous vous n'êtes pas encore abonné abonnez- vous euh, voilà on vous montre là comment vous abonner sur 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 youtube euh, non sur euh, 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 le, le, le youtube d'évangile tv et si vous n'êtes pas encore euh, mon ami sur facebook faites le sur instagram si vous n'avez pas encore euh, vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous ok Juste quelques annonces extrêmement importantes. Euh, ce dimanche, donc, on a deux 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 services. Euh, deux services. Je vais prêcher et on va avoir un service de sunset. Donc, préparez euh, votre jus de raisin ou le vin. Préparez aussi euh, les, les sandwichs. OK. Euh, on a diffusé un peu sur Facebook et sur Instagram. C'est peut-être pour ça que l'auditoire, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu moins sur, euh, sur YouTube, parce que certains sont peut-être allés sur Facebook ou sur, sur Instagram. Car cela ne tienne, partagez cette vidéo. Elle va aider plusieurs d'entre vous. Demain, on va voir des exemples de personnes qui ont mis leur foi en action. Je vous assure, vous allez encore apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Je vous assure, incroyable. L'étude de demain, euh, et, et on va terminer avec cette étude sur comment muscler euh, sa foi. Et la semaine d'après, on va voir les ingrédients de la foi. Ok On va voir les ingrédients de la foi, et on va voir euh, la trinité des percées surnaturelles. Ok on va voir les ingrédients de la foi et on va voir la trinité des percées surnaturelles la foi, l'espérance et l'amour. La, OK Gloire au Seigneur. Très, très bien. Donc, partagez cette vidéo pour que tout le monde soit béni, je l'ai déjà dit. Euh, que faut-il que je dise encore de plus Restez bien chez vous, s'il vous plaît. Restez bien chez vous. Euh, L'autre chose aussi, c'est si vous avez peur en regardant les informations, ne les regardez pas trop. Soyez juste informés de l'essentiel des informations concernant le confinement. N'allez pas regarder des vidéos qui font peur sur YouTube. Et qui vous disent non c'est la fin du monde machin tout ça et ça devient trop compliqué et puis vous dormez vous faites des nuits blanches sachez une chose vous êtes protégé ok de la tête jusqu'à la pointe des pieds le Seigneur vous protège déclarez-le confessez-le priez déclarez-le dans cet temps de prière ok je vous dis quand tout ça va s'arrêter on va se retrouver dans nos églises on va faire un grand culte d'action de grâce pour remercier le Seigneur où vous inviterez vos familles vos amis et nous allons vraiment louer le Seigneur ensemble ok il y a eu à la réalisation la sœur Cindy Falia, la supervision générale, la sœur Sabrina Samid. À, aux caméras, il y a eu le frère Kevan. Et aux lumières, chef de plateau, on a eu le frère Jimmy Souza Et on a eu à l'assistana la sœur Angela Pioti. Et moi, c'était l'apôtre Alain Patrick. Euh, je vous souhaite de passer une agréable journée dans la présence de Dieu. Ciao. Bye bye.